Emmanuel et Brigitte Macron sont les heureux maîtres de deux nouveaux toutous, Jules et Jeanne. Plusieurs mois après leur arrivée dans la famille, Tristan Bromet, chef de cabinet de Brigitte Macron et conseiller du président, a dévoilé sur Instagram de rares photos des lévriers chez eux, à l'Élysée, ce dimanche 7 avril. Ils sont la nouvelle attraction de l'Élysée. Emmanuel et Brigitte Macron ont adopté deux lévriers kazakhs de la race Tazi, originaires des Asies centrales mais non reconnus officiellement par la Fédération cynologique. Baptisés Jules et Jeanne, en plus de leur croisé Labrador Retriever Griffon Nemo. Des cadeaux diplomatiques venus tout droit du Kazakhstan, qui leur ont été offerts en novembre 2023 par le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev, en signe d'amitié et de respect. Si les nouveaux toutous du couple présidentiel ont eu le temps de prendre leur marque au palais en 6 mois, une seule et unique photo d'eux a été publiée depuis leur arrivée. Capturée par Soizic de la Moissonnière, photographe officiel du dirigeant. Tristan Bromet, directeur de cabinet de Brigitte Macron et conseiller spécial au cabinet du chef de l'État, a plus amplement satisfait la curiosité des Français ce dimanche 7 avril, en postant une photo des trois chiens sur son compte Instagram, en plus de quelques aperçus de leur quotidien en story. Sur la photo de la publication, Jules et Jeanne apparaissent juste derrière Nemo dans l'un des couloirs de l'Élysée. Les trois chiens semblent revenir d'un tour dans les jardins du palais présidentiel, au vu de leurs pattes mouillées. Hypothèse confirmée en story par le conseiller politique, sur l'un des clichés, on peut voir les animaux de compagnie de Brigitte et Emmanuel Macron se promener sur la terrasse devant un jardin aménagé à la française. Une troisième photo montre l'un des deux lévriers allongé sur un tapis avec le labrador en train d'échanger des léchouilles. Preuve que Nemo s'est parfaitement habitué à ses nouveaux compagnons. Ils viennent d'où? Les hôtes des Macron surpris par leurs chiens. Jules et Jeanne ont le mérite d'animer le palais de l'Élysée. Le 7 février dernier, le Parisien relatait dans ses colonnes la soirée du 16 janvier dernier, bousculée par les deux toutous. Alors qu'Emmanuel Macron avait convié les membres du gouvernement à un dernier verre sous les voûtes du prestigieux Salon des ambassadeurs, juste après une conférence de presse, les lévriers ont débarqué dans la pièce, débordant d'énergie et langue pendante. Les joyeux canidés ont tourné autour des invités, sous le regard amusé d'Emmanuel Macron. C'est un jeu de quilles, avait lancé avec humour un ministre témoin de cette arrivée surprenante. Mais ils viennent d'où? S'était interrogé un autre participant, qui n'était visiblement pas informé que ces deux chiens appartenaient désormais au président et à son épouse.